Une matinée sans caféine peut gâcher toute ta journée. Quoi ? Pas de café instantané ? C'est horrible ! Et t'as pas le temps de te faire couler une carafe de café ? Cette situation te semble familière ? Utilise cette astuce. Mets du café moulu dans une tasse. Verse de l'eau froide dessus. Et passe-la au micro-ondes pendant une minute. Il ne te reste plus qu'à attendre. C'est la chose la plus difficile pour un dingue de café. Et bingo ! Le café est prêt ! Ça sent trop bon ! T'as acheté beaucoup trop de nourriture pour la fête ? Tu peux même pas tout tenir dans tes bras ? Et on va mettre où tout ça ? On n'a même pas de table ! Mais on a une idée ! Prends du ruban cache-gris. Et si on scotchait les bananes au mur ? Pourquoi pas ? C'est un des chefs-d'œuvre artistiques les plus en vogue au monde. Scotche aussi le reste des courses au mur. Au fait, ce mur d'aliments n'est pas que pour manger. Il sert aussi d'excellente décoration pour la soirée. Allez, c'est l'heure de s'amuser! Et maintenant, une performance moderne de Hungry Artist. T'as faim? Arrache la nourriture du mur! Allez, vas-y, serre-toi! L'hiver et les pantalons trop courts, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal. Mais comment faire autrement? La mode avant tout! Oh, j'ai froid rien qu'en regardant tes chevilles découvertes! Bouh! Regarde, ta peau est déjà rouge à cause du gel! Je vais m'occuper de ça! Tu auras besoin d'une écharpe et d'une paire de ciseaux. Coupe l'écharpe en deux. Et maintenant, coupe-les dans le sens de la longueur. Coupe aussi les pompons. Pour éviter que l'écharpe ne s'effiloche, coupe le bord. Passe un fil au bout. Coupe des pompons. Maintenant, tu as deux jolies écharpes. Présente les accessoires à ta copine. Enroule-les simplement autour de tes chevilles. Et tu seras à l'aise et au chaud. Ces écharpes de cheville sont très drôles. Et plus important encore, t'as beaucoup plus chaud comme ça. Un selfie avec un chien? Oh, trop mignon! Ouais, si seulement on arrivait à faire en sorte que cette boule de poil regarde l'objectif. Mais comment faire? On connaît une technique. Prends une fine tranche de bacon. Découpe un petit rectangle dedans. Pose la viande au dos du téléphone. À manger? Ces filles veulent me nourrir? Le chiot regarde maintenant droit dans l'objectif. C'est parfait! Et après la séance photo, tu peux féliciter ton modèle. Manger des chips tout en matant un film, miam! Mais au fil du temps, il commence à y avoir un problème. Ça devient de plus en plus dur de les attraper. Mes mains sont coincées et toutes grasses, berk! Mais on a une super astuce pour ce genre de situation. Prends une canette de Pepsi et un pot de Pringles. Coupe la partie inférieure de la canette juste au-dessus du fond. Prends un aimant. Colle l'aimant au fond. Mets le fond de la canette dans le pot. Prends un deuxième aimant et tu pourras ainsi facilement déplacer le fond à l'intérieur du pot. Livraison de nourriture! Les chips arrivent dans un ascenseur métallique. On dirait que c'est magique. Mais pas de magie. Juste de la physique pour aider les fans de chips. C'est dur de bien se maquiller avec un mauvais éclairage. Et si t'as aussi une mauvaise vue, alors la mission est juste impossible. Ouais, le résultat est pas terrible. T'énerve pas, on va faire quelque chose. Prends une feuille de carton épais et pose un miroir rond dessus. Détourne-le au crayon. Dessine un plus grand cercle autour. Découpe l'anneau. Et maintenant, tu vas avoir besoin d'une lampe de poche à LED. Pose-la sur l'anneau et détourne-la au crayon. Répète ça 4 fois jusqu'à la moitié de l'anneau. Découpe-le le long des contours. Enduis l'anneau de peinture en spray métallique. Maintenant, colle le miroir au milieu. Et mets les lampes de poche dans les trous.
Tu as maintenant un miroir de table avec des lumières. C'est tellement lumineux! C'est ce qu'une vraie pro du maquillage utiliserait. Jongler, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Je veux filmer tous mes tours et surprendre les réseaux sociaux avec mon nouveau talent. De cet angle, c'est pas si cool que ça. Pourquoi t'as filmé comme ça? On se croirait au cirque. Je suis sûre que c'est à cause des mains tremblantes de ma caméraman. Mais il existe une solution. Prends un gobelet en papier et un scalpel. Coupe le fond. Découpe une bande au milieu. Ça te fait un trou rectangulaire. Tu as maintenant besoin d'une assiette jetable et d'un pistolet à colle. Retourne l'assiette et colle le gobelet dessus. Un support trop cool pour ton téléphone est prêt! Ce trépied fait maison t'aidera à filmer des vidéos impeccables pour ton compte Insta. C'est trop cool, non? Tu peux déplacer l'assiette sur la table sans faire trembler la vidéo. C'est tellement mieux! C'est une excellente idée pour mettre en avant tes stories. Tu veux manger quelque chose? Y'a quoi au menu aujourd'hui? Du pain, de l'avocat? Ah, un sandwich équilibré! Mais c'est quoi ça? Ma copine a décidé de manger du déo pour le déj? Prends une bouteille de déo vide et un avocat. Écrase l'avocat. Remplis la bouteille avec la purée verte. Et voilà! Retire le capuchon et étale la purée sur le pain. Le sandwich est prêt! Et pour garder l'avocat au frais, remets le capuchon. C'est facile et délicieux! Tu vas prendre le thé avec une copine? C'est une super idée! Oh, il est trop chaud! Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le temps d'attendre qu'il refroidisse. C'est l'heure d'y aller! Heureusement que ma copine a des gobelets spéciaux pour cette occasion. Prends un gobelet en plastique et une ventouse. Mets de la colle chaude dessous. Colle la ventouse. Fais la même chose avec un autre gobelet. C'est terminé! Maintenant, fixe les gobelets sur le toit de la voiture. Mets les thés chauds dans les gobelets en papier dedans. Démarre la voiture et c'est parti! La boisson refroidira un peu en cours de route. Et une fois arrivée à destination, la température sera parfaite. Sortir de la maison et réaliser que t'as oublié tes clés. C'est la loi de Murphy! Et ça, c'est vraiment la poisse. Tu dois crier à plein poumon pour que ta copine t'entende et jette les clés par la fenêtre. D'ailleurs, tu peux t'amuser un peu avec ça. Mets les clés dans un sac Ziploc et attache-le à un paquet de ballons. Tes clés atterriront directement dans tes mains. Et les ballons colorés te donneront le sourire. C'est pas intelligent, ça ? Comme tu le sais, on arrive toujours à épuisement de nos produits de beauté au pire moment possible. Mon fond de teint préféré? Je m'attendais pas à être trahie par lui. Qu'est-ce que je vais faire? Courir au magasin? T'en fais pas! Tu auras besoin d'une lotion pour le visage et de café instantané. Mets un peu de lotion dans un petit récipient. Verse du café dessus. Mélange avec un bâton en bois. Le produit est prêt à l'emploi. Du fond de teint fait maison? Waouh! Le plus important, c'est qu'il couvre parfaitement ta peau et remplace facilement celui qu'on trouve en magasin. Tu vas avoir besoin d'un loofah et d'une barre de savon pour cette astuce. Déplie le loofah et coupe un morceau de savon. Mets le savon dans le filet. Attache-le avec un cordon. Coupe le surplus de filet. Attache un crochet autocollant au bord des toilettes. Accroche le cordon dessus et jette le savon dans les toilettes. À chaque chasse d'eau, les toilettes seront recouvertes d'une lotion savonneuse parfumée. Et les garder propres sera beaucoup plus facile.
Ah, mes apéritifs adorés! Pourquoi vous êtes si loin? Je déteste me lever du canapé. Il existe une grande invention pour les feignants. Tu auras besoin d'un morceau de carton, d'un bracelet de montre en caoutchouc et d'un récipient en plastique. Découpe un cercle en carton aux dimensions du pied du bol. Colle le bracelet en caoutchouc dessus. Colle ensuite le bol sur le carton. Attache la structure sur ton poignet. Ton bracelet anti-fitness est prêt ! Maintenant, tes apéritifs délicieux seront toujours avec toi. C'est très pratique ! Et enfin, pour terminer, on a une astuce pour se mettre bien à l'aise en hiver. Tu veux jamais te glisser dans ton lit froid ? Et si je repassais le drap avec un fer ? Tu vois, après avoir utilisé cette astuce, ton lit froid se transformera immédiatement en un lit chaleureux et confortable. Pas besoin de me remercier. Tu as aimé nos astuces bizarres? Quelle idée tu as trop hâte de tester? Dis-nous tout dans tes commentaires. Et n'oublie pas de lâcher ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour découvrir les astuces les plus intéressantes de Troum Troum.